Salut, salut les amis et bienvenue sur notre plateforme. L'autre jour, je disais sur cette plateforme qu'il y a un problème triade de Wi-Fi à l'aéroport international de Douala. Et là, actuellement, je suis du côté de l'aéroport international de Kigali au Rwanda. Je peux vous rassurer les amis que ici, le Wi-Fi passe. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est avec le Wi-Fi. Ça passe très bien dans cet aéroport. Et pourquoi pas à Douala? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les autorités du côté de l'aéroport international de Douala, les autorités de ADC, les aéroports du Cameroun ne peuvent pas mettre le Wi-Fi fiable, même mettre le Wi-Fi à l'aéroport international de Douala? Je me pose cette question et beaucoup d'autres personnes se posent cette question, les amis. Regardez la beauté de cet endroit, hein, en espérant que. L'autre jour, j'étais au Congo-Brazzaville. J'ai fait même un tour là, le mois dernier, du côté de l'Afrique australe. Mais en fait, c'est formidable. Formidable. Les services sont là. Mais chez nous, la charité, tout est cher pour rien, alors que les services ne suivent pas. Les amis, il ne faut pas avoir honte de suivre les exemples qui parlent. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. C'est compliqué chez nous, mais un jour, il se fera jour. Un jour, ceux qui sont en train de faire dégringoler le pays dans la malgouvernance, dans tout ce qui est vice, mes amis, vont comprendre que ce pays appartient à tout le monde et non à eux. Vous savez, quand vous dites des choses comme ça, certaines personnes qui travaillent à ADC ou CPAC ou ADC, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont commencer à dire non, c'est du blague, mais vous n'aimez pas votre pays. Mais par contre, non, c'est parce que vous aimez là où vous êtes né et autres. C'est pour cette raison que vous tirez cette sonnette d'alarme. Ce n'est pas possible qu'en 2023, on a un aéroport comme l'aéroport international de Douala, qui est l'aéroport le plus fréquenté du Cameroun, qui n'a pas de Wi-Fi. Il y a des sociétés comme MTN et j'en passe qui peuvent mettre du Wi-Fi là-bas. À l'aéroport international de Douala. Donc, quelque chose doit être fait, les amis, pour régler ce problème. Thank you, friends. That was all I have this day. Bye bye for now.